Le coronavirus, c'est vraiment le virus, ça existait déjà. Je m'appelle Lynn Manster et je suis interprète en langue des signes. Comment ça se passe justement par rapport à cette population qui est sourde et malentendante ici au Luxembourg? Comment ils ressentent la situation? Oui, ils se posent beaucoup de questions à propos des masques. Parce que si les personnes comme vous et moi, on parle maintenant, mais eux, s'il y a une personne qui est malentendante, sourde ou malentendante, elle a besoin de la lecture labiale, ce qui est impossible avec les masques. Donc pour eux, c'est vraiment difficile de faire les achats, d'aller quelque part, même si... Oui, parce que pour les masques, c'est vraiment compliqué de communiquer et d'avoir les informations. Ouais, comment ils font justement pour s'adapter à cette situation? Eux, ils vont avoir des visières. Okay. Des visières en plastique. Il y a une association qui a déjà communiqué aussi à la presse avec 2 mètres de distance, ça va. Et donc, okay. Ils ont des petits flyers pour quand même pouvoir communiquer, ouais. Si tout le monde porte des masques. Okay.